j'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidé par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Tous les manufacturiers, tous les fabricants de voitures veulent vous vendre une voiture neuve et c'est bien normal. Sachez que Ford le fait très, très bien avec le Ford Escape Titanium 2015. Le Ford Escape Titanium est offert avec trois formats de moteur. On retrouve le 1.6 EcoBoost. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le 2 litres EcoBoost. Très bien fait, très silencieux et en même temps très économique. Et on retrouve également le modèle standard de 2,5 litres. Il y a une foule d'options que vous pouvez faire ajouter sur le véhicule Ford que vous désirez. Mais il y a cette innovation de Ford qui est vraiment pas banale, l'ouverture de la porte grâce à votre pied. Plusieurs nouveautés sont frappantes cette année avec le Ford Escape Titanium. Tout d'abord, le moteur de 2 litres EcoBoost. On retrouve également un toit panoramique qui ouvre à la pleine grandeur et le système Sync 3 qui permet encore plus de parler à la voiture, si on peut s'exprimer ainsi. Le modèle 2016 a changé un petit peu par rapport à 2015. La visibilité à l'intérieur de l'habitacle a subi un changement notable. Le Titanium est équipé de phares au bixénon HID, d'un signal d'alerte au trafic, d'essuie-glace sensible à la pluie et d'assistance au stationnement. Le Ford Escape est offert en trois modèles, le S, le SE ou encore le Titanium comme celui-ci. Est offert à partir de 26 614 $. La garantie par choc à par choc est de 3 ans 60 000 km. Elle est de 5 ans 100 000 km sur le groupe motopropulseur. Sachez que l'assistance routière est incluse et c'est bon au Canada et aux États-Unis.